Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré ce soir à un plan de Marty Friedman en fait qu'on va s'amuser à développer, comme ça illustrera un peu ce qu'on a vu hier. Donc Marty Friedman c'est vraiment un guitariste de métal, mais moi je trouve que comme vous le savez on peut tout mélanger, on peut mélanger le jazz, le métal, enfin du moins on peut s'inspirer de tout le monde et de la façon de faire des gens. D'accord. Donc le plan en fait c'est issu du solo de Symphony for Destruction ou Of Destruction, je me souviens plus, dans l'album Countdown to Extinction. Donc le plan il fait ça. D'accord, voilà, c'est normalement c'est en Ré. Mais pour en fait la commodité de la leçon et puis parce que je veux pas j'ai un accès aux aigus pénible là sur la Telecaster, je vais le faire en fa pour enfin en do pour que ce soit plus facile. D'accord, donc en fait le plan est assez simple. Donc ce qui est intéressant c'est le jeu de main droite. D'accord. Alors lui, ce qui fait partie Friedman, c'est regarder ma main droite, ça. Donc c'est typiquement un 2. Donc en fait on va décliner, donc on va prendre en fait la deuxième partie du plan. En fait là je repère, en fait là je suis en fait, regardez bien, sur une triade de Fa majeur. D'accord? Alright, vous voyez? Pardon. Là je pars de la sixte, je vais sur le do qui est la quinte. Ok. Et ce qui est à la fin en fait c'est une montée en triade de Fa. Dans les trois renversements, là je descends je fais. D'accord, là je fais. Je descends ma triade et là je la récupère ici. En fait, c'est comme si on faisait ça. Hein. Alright. Donc, nous, c'est cette partie qui nous intéresse. Ok. Donc, en fait, ce qu'on va s'amuser à faire, on va développer. D'accord. Pour en fait revenir à l'épisode d'hier. Maintenant, je vais m'amuser à le faire sur toutes les échelles, ce que je vous disais de la gamme majeure. Là, sachant que moi, je suis... Vu qu'il n'y a aucune altération, le plan est transposé pour qu'il n'y ait aucune altération à la clé, d'accord? Ni si bémol, ni fa dièse. Ni bémol, ni dièse. Si je descends, là, je suis sur mon quatrième degré, d'accord? De fa majeur 7. Quatrième degré de do majeur. Alright? Moi, je vais m'amuser à déplacer le plan, si vous voulez, dans les degrés de la gamme majeure et ça va me faire. Pardon. Ok, voilà, là je me suis amusé à faire le même plan mais dans les degrés de la gamme majeure. Donc comment le penser le truc, d'accord?
Je visualise ma triade déjà. Et bien mon... D'accord, je visualise bien la triade que je vais utiliser comme ça. Là, je sais que je pars de la sixte. D'accord ? La quinte est là. Fondamentale, tierce, quinte. D'accord ? Alors là, quand je vais être sur ma triade de mi mineur, d'accord ? Qui est le troisième degré, donc. Si jamais j'harmonise donc la gamme majeure sur le troisième degré, j'aurai fondamentale, seconde mineure, tierce mineure, quarte juste, quinte, c'est le mode phrygien, quinte juste, sixte mineure, septième mineure, et fondamentale, et ça me donnera donc le plan. Sur le mode dorien, donc sur le ré mineur deuxième degré, ça va me donner la sixte majeure. Là je vais chercher ma fondamentale ici à l'octave, et après je finis par la septième comme dans le plan. Là je monte sur le cinquième degré, c'est le même sauf que la septième est mineure. Sixième degré, 7e degré, parce que là j'ai mineur quinte bémol. Donc les gars, allez apprendre votre harmonisation de la gamme majeure si vous la connaissez pas, ok. Ok, voilà comment on peut développer par exemple un truc dans les échelles, d'accord. Donc le plan en lui-même en entier est intéressant, donc je vais vous le laisser quand même. Si vous voulez harmoniser cette partie-là, pour moi, ce sera toujours Fa. D'accord ? Parce que là, Fa, on arrive sur la quinte, là, on a la neuvième, là, le Fa, il est là, on revient quand même. Et là, si jamais on harmonise, par exemple, ce plan-là, ça nous donnera... inférieure. Ok, donc après dans un solo, ce qui est intéressant après quand on apprend un solo, c'est ce que je vous disais, c'était de suite se resservir du truc en contexte. Alors comment on va faire ça, je sais pas encore, d'accord. Je me suis pas entraîné à le placer dans un solo. On se met une boîte, ok. On s'amuse à improviser comme on le fait d'habitude avec ses propres plans, d'accord. Thank you.
Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un truc qui vous plaît, par exemple, moi j'adorais ce plan-là quand j'étais plus jeune. Donc voilà, j'ai essayé de le placer, de le replacer direct dans une impro en repérant le truc, quoi. Voilà, j'allais repérer. Donc moi, si vous voulez, quand, le plan original, c'est. D'accord? D'accord? Là, je repère bien que c'est dans cette gamme-là. D'accord? C'est dans cette gamme-là. Dans cette position-là. La main droite, c'est typiquement le truc de Marty Friedman, vous savez qu'il joue comme ça, hein, d'accord? Très. Ah, j'ai vraiment du mal à jouer là. Donc voilà, par exemple, ça c'est vraiment un truc que je. Le fait de développer la même triade comme ça dans les trois positions sur le manche, c'est vraiment un truc intéressant, hein. Si je vous le fais en do, ça fait. D'accord, là j'ai changé un peu le plan pour adapter direct. Donc voilà comment par exemple vous pouvez développer en fait chaque plan, chaque truc que vous. C'est la même que pour Sultan of Swing. Voilà. C'est ce genre de plan, hein, en triade. Voilà. Donc c'est pour vous dire, un peu pour illustrer le truc d'hier. Et puis je pense que je vais faire plus souvent des plans comme ça, un épisode sur un plan comme là aujourd'hui. Là, c'est pas mal l'idée, je trouve. Donc voilà les gars, allez. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à demain pour un autre épisode du vlog. Bye, ciao.